Alors j'ai dit, Crézé en moi, tu m'as parlé de toi. Parce qu'au fond, toi et moi, nous sommes régis par les mêmes lois. Couverts par le même poids. Les mêmes mois. De janvier à décembre, toi et moi, nous dormons dans la même chambre. C'est des incertitudes, des doutes, des appréhensions et celles de toutes ces tensions inspirées par la même chanson. Le coco chante le jour paraît, tout s'éveille dans le village pour que le bon couscous soit préparé. Femme de vous et du courage. Pilon, pilon. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas la chanson du coq qui fait que le jour paraît. Et maintenant, tu comprends pourquoi au Sénégal, la nuit rime avec paresse. Oui, on te fera croire que l'intelligence suffit comme source d'allégresse. Mais il n'y aura pas de couloir sans souffrance. Car c'est à travers elle que l'on découvre son impuissance. Aussi bien que c'est à travers nos errances que l'on se met à l'évidence. Pour comprendre que le travail est un acte d'adoration et l'adoration un pacte de modération. Mais si je ne travaille que pour l'argent, alors c'est certainement pour épater les gens. Tu vois, l'avarice n'est pas l'apanage des pauvres. Au contraire, c'est plutôt eux qui font les bonnes œuvres. Alors si tu crois que je t'invite au repas, bon appétit. Dieu m'a préservé de l'envie et de la jalousie. Parce que lui, quand il fait son budget, il n'a pas besoin de mon avis. Et moi, j'ai grandi dans les champs. J'étais le calendrier, je n'ai pas vu passer le temps. Il m'a toujours semblé si figé, alors c'est dans sa routine que je me suis réfugié. Mais tu vois, dans ma tête, au moins, je n'ai pas d'âge. Je ne me suis pas emprisonné dans un personnage. Il y a une différence entre celui qu'on est et l'image de celui qu'on s'est fait. À quoi bon se croire beau si on s'est scellé? À quoi bon se leurrer si ton sort est déjà scellé? Moi, je reste tel que je suis, et tant pis pour ceux qui me fuient. Et à défaut d'être un pédagogue, je ne vous ferai pas le plaisir d'être un démagogue. De toute façon, on n'est pas obligé de s'aimer pour vivre en paix. La seule chose qui compte, c'est le respect. Et ça, ça ne se quémande pas. Ça s'arrache. De toute façon, moi je suis fait de granit et de gravats trempés dans du fatra. Tout ce qui ne me démolit pas ne me démotive pas. Et peut-être que je ne suis pas encore guéri, mais qui s'y frotte? Qui s'y frotte? Et comme chacun de vous, je suis atypique. Bonsoir. Encore une fois pour vous, le dernier poète syrien, Djamil, du vendredi slam. Maria Mbouch, Maria Mbouch. I love you. I love you. Mermi Samaya Bob Lane Weezy, what's up?